Salut et j'espère que vous vous portez bien malgré cette situation. Je viens par cette courte vidéo vous donner plus de détails par rapport à la saison des écrivains. Merci déjà à toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour ce projet. Nous devions lancer ce programme depuis le début du printemps, c'est-à-dire depuis le 20 mars, mais à cause de la situation sanitaire qui prévaut, il a fallu que nous réadaptions parce qu'au départ c'était un programme qui était hybride entre les activités en présentiel et les activités en ligne. Maintenant, nous sommes réorganisés et cette première édition de la saison des écrivains sera totalement en ligne. Comme vous le trouverez sur le lien qui apparaît sur cette vidéo et que vous trouverez également en bas de la vidéo, si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous allez trouver toutes les informations sur le calendrier de la saison qui va du 20 avril jusqu'au 20 juillet et qui comporte différentes activités, notamment une activité principale qui est le concours Encre d'Afrique qui s'adresse à toute la jeunesse africaine. Pour les personnes âgées de minimum 18 ans et de maximum 25 ans, ce concours est ouvert à tout le monde, que vous soyez africain résident sur le continent africain ou résident dans la diaspora. Quel que soit le lieu où vous êtes, si vous êtes vous avez une des nationalités des 54 membres des États africains, vous pouvez participer à ce concours. Le concours Encre d'Afrique a pour objectif de donner la possibilité à ces jeunes qui écrivent et qui ne sont pas encore connus de se faire connaître. Donc, si vous êtes écrivain, si vous êtes passionné d'écriture, si vous avez l'habitude d'écrire et que jusqu'ici personne ne le sait ou bien juste votre entourage, le concours Encre d'Afrique est l'occasion pour vous de vous révéler au continent africain et au monde. Vous trouverez tous les détails sur le règlement du concours et sur le programme de la saison des écrivains. Et la saison des écrivains, c'est pas seulement le concours Encre d'Afrique, il y aura également trois ateliers d'écriture que nous allons organiser et qui sont ouverts à tout le monde. Ce sont des ateliers qui seront en ligne. Nous allons également organiser différentes rencontres avec différents écrivains africains que nous allons interviewer, à qui nous allons donner la possibilité de partager leur expérience. Et je vous invite aussi à vous préparer pour ce grand séminaire sur écriture et société que nous organisons pour la première fois cette année et qui va nous permettre de réfléchir autour de la puissance de l'écriture pour une société comme la nôtre en Afrique et comment est-ce que, en tant qu'écrivain, nous pouvons véritablement contribuer au développement de notre continent. Même si vous écrivez juste des poèmes ou des pièces de théâtre ou des romans ou quelques essais ou que c'est juste quelques idées que vous couchez sur du papier, sachez que ces idées peuvent contribuer et doivent contribuer au développement de ce continent. L'histoire nous montre que les grandes civilisations, les grands peuples se sont toujours bâtis sur la base de leurs écrits. Et je crois que si vous avez reçu ce don, si vous avez reçu ce talent de pouvoir mettre les lettres ensemble pour former des mots et les mots pour former des phrases et des phrases pour raconter des histoires, que ce soit en vers ou en prose, vous avez une responsabilité pour ce continent. Ce n'est pas un séminaire qui va rassembler des érudits, c'est vraiment un séminaire qui permettra à tous ceux-là qui aiment écrire, qui ont envie d'écrire et qui écrivent déjà, de vraiment réfléchir sur comment nos écrits peuvent impacter notre société et transformer ce continent afin que nous puissions non seulement vivre quelque chose de mieux chaque jour, mais également que nous puissions léguer aux générations futures un continent que nous aurons bâti à partir de nos idées. N'oublions pas une chose, de la parole à l'action, il y a l'écriture. Et l'écriture, c'est le témoin qui rend compte de la parole qui a été prononcée et le juge qui regarde l'action qui a été menée. Vous êtes un écrivain, vivez pleinement cette saison des écrivains. C'est vraiment la saison des écrivains africains et nous avons eu à cœur de monter ce projet pour mettre en avant l'écriture en Afrique, pour mettre en avant les écrivains africains. Abonnez-vous sur la page de HK Afrique TV.
TV pour suivre régulièrement tous nos programmes. Nous allons recevoir des écrivains, nous allons donner la parole aux éditeurs, nous allons donner la parole à un certain nombre de personnes, acteurs du monde de l'écriture, mais pas que des acteurs. Nous allons également interroger des personnes qui regardent, qui observent ou qui consomment l'écriture. Et pendant tous ces 3 mois, nous voulons véritablement donner la priorité à l'écriture.